comment ça va ? Président, votre sentiment sur ce tirage au sort et sur ses adversaires ? Je pense que le tirage au sort, c'est pas facile, c'est vrai, mais on est Paris Saint-Germain, on a besoin d'être prêt pour toute l'équipe, toutes les équipes, si on veut aller le plus loin. C'est normal, c'est la Ligue des Champions, c'est la meilleure équipe en Europe. On est Paris Saint-Germain, j'ai beaucoup confiance de mon entraîneur, de mon joueur. Il a beaucoup de matchs, je pense, c'est magnifique pour les supporters, pour vous, le média. Vous regardez un très bon match avec Napoli, avec Liverpool. C'est très bon. Nouveau, je pense, pour vous. C'est le groupe le plus relevé. C'est le groupe de la mort. Est-ce que c'est le groupe le plus relevé? Je pense que c'est le plus difficile groupe de cette groupe. Oui, je pense que c'est le plus difficile. Mais j'ai beaucoup confiance. On est Paris Saint-Germain. On veut essayer, on veut travailler. On veut concentrer pour chaque match. Pour chaque match, on veut gagner. C'est comme ça, si on veut aller loin, on ne veut pas penser aujourd'hui pour la finale, on veut penser vraiment chaque match, premier match, deuxième match. C'est comme ça cette année. Ça sera vos retrouvailles aussi avec Carlo Ancelotti, votre ancien coach ? Oui, c'est toujours fait plaisir pour rencontrer le coach Carlo. Encore une fois, l'année dernière, il était à le parc. Je dis bienvenue à Carlo. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la fin du recrutement du PSG, Juan Bernat ? Vous nous confirmez sa venue ? Oui, on a 2 jours encore. Cette mercato a été très compliquée, honnêtement. Avec Coupe du Monde, avec la Premier League, j'ai fini le 8 août, après Serie A aussi la même chose. C'était compliqué un petit peu, honnêtement, mais on va essayer, on a 2 jours. Vous espérez Bernat et Renato Sanchez ? Pourquoi pas, peut-être. Merci. Il y a un nouveau coach ? Les deux équipes, grande équipe. Il y a un nouveau coach, est-ce qu'il y a un nouvel objectif dans cette Ligue des Champions ? C'est toujours le même objectif, on veut aller le plus loin. Cette année, on veut vraiment concentrer chaque match jusqu'à la fin.